Sports. It's in the game. Salut à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver sur la pelouse de l'Estadio d'Alouz à Lisbonne. Au micro, Omar et Benji, la team Dada donc, qui vous fait vivre les plus grandes aventures. Et on sera là pour suivre ce match plein de potentiel en votre compagnie. Le Portugal affronte l'Argentine. Vous savez bien que c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon amour pour la balle et les mots qu'elle inspire. Nous allons vivre une manifestation amplifiée. Un face-à-face à négocier. Et oui, but! Déjà 1-0, ça part très fort. Tout de suite, l'adversaire est plongé dans le doute. Le match est lancé. Il va falloir réagir. On ne peut pas toujours faire de la poésie et des chansons d'amour. Parfois, il faut aussi de la guitare électrique. Ce but, c'est du métal. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. De Paul. Fernandez, la possession change de côté. Ah oui, superbe technique. Julian Alvarez. Bien fait ça, sans faute. Ah, il y a du monde là, quelques possibilités. Et c'est signalé, position de hors-jeu. Ah, ce ballon est récupéré. Ah, c'est bien parti. Encore une opportunité. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Enzo Fernandez. Fernandez. Et c'est pour Romero. Bien, il faut bien négocier ce ballon là. Une frappe en force dans ce face-à-face, c'est risqué. Ce que tu gagnes en puissance, tu le perds en précision.
Et pourquoi pas amener un peu de danger là. Attention, le ballon est rendu à l'adversaire. Et c'est au fond! Les voilà! Avec un avantage de 2 buts maintenant. Et ça commence à être plutôt confortable. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? C'est incroyable de voir la moitié de la défense qui attend. Mais qui attend quoi? Le train? Il est déjà passé le train. Il est au fond du filet. Allez, deuxième but donc pour cette équipe, ça fait 2-0. Ah, la défense est battue. Ah, dommage, ça partait bien, mais le ballon est finalement récupéré. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Bernardo Silva. Oh, c'est dedans, mais non, c'est hors-jeu. Je vous fais confiance parce que ça se joue à quelques centimètres. Ah, il est pressé, Acuña. Enzo Fernandez. Fernandez. Ce sera donc un corner. Et c'est joué par Bruno Fernandes. Otavio. Oui, bien défendu. Le ballon est renvoyé. Rodrigo De Paul. Julian Alvarez. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre, là, elle fait signe de continuer. Bien défendu. Il y a du soutien en attaque. Oh, attention à ce ballon. Goal, 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 goal. Magnifique, exceptionnel. C'est ça le talent. Et quel ciseau pour nous émerveiller. C'est un but comme un oiseau, comme un albatros dans le ciel. Quelle beauté! C'est reparti, le Portugal se détache avec ses 3 buts d'avance. Fernandez. La passe pour Otamendi. On va le récupérer très haut grâce à ce bon pressing. Cristiano Ronaldo dans la surface. Et le but, et ça continue. Incroyable performance offensive. Et maintenant, ça fait 4 buts d'écart. Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. De Paul. C'est un ballon perdu. Et sur le côté, il y a de l'espace pour le Portugal. Ballon vers Cristiano. Oh oui, le but! Son 3e pour le triplé. C'est merveilleux et c'est tellement mérité. Quel réalisme! Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. La finition des volets est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise des volets. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Bonne couverture de balle pour conserver la possession. Excellente intervention. Ah oui, l'excellent ballon. Il est au fond, ce ballon, mais non, parce que c'est signalé en position de hors-jeu, en fait. Oui, mais pas besoin de ralentir là-dessus. Tout le monde l'avait vu, hors-jeu. Substitution,
Allez, changement donc. De Paul. Ah, c'est pour Lionel Messi. Ouais, la bonne interception de Bruno Fernandes. Et le face-à-face à venir. Attention ce tir. Ah, le parade, mais le ballon est toujours en jeu. Ah, le gardien du point et avec autorité. Acuña qui renvoie. Il y a une interception là et c'est une perte de balle de l'Argentine. Rafael Leao, bien parti dans le dos. Ah, la frappe, ça part bien. Ah oui, quelle intervention. Et le ballon qui est mis hors de danger. Et oui, si tu arrives à rentrer dans la tête de ton adversaire, c'est gagné. C'est dégagé, aucun problème. Ah, ce ballon dévié sort, corner à suivre. C'est bien parti pour ce corner. Ah, le corner est mal tiré, c'est directement sur le gardien. Lautaro Martinez. Ouais, c'est bien fait ça, sans faute. Le temps additionnel est de 3 minutes. Pourquoi pas une occasion à venir là. Excellent le geste défensif là. Allez, dans les tribunes, on attend un tir. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires.